Alors, on va peut-être commencer avec Jean-Luc Morf. Vous avez ce matin fait un petit sondage en passant au milieu des uns et des autres et pour voir quels sont les sujets de préoccupation aujourd'hui des commissaires aux comptes dans les PME. Alors, je n'ai pas réellement fait un petit sondage. J'aurais dû être accompagné d'une caméra si j'avais voulu le faire et me présenter. Mais j'ai quand même interrogé un certain nombre de consoeurs et de confrères qui arrivaient pour participer à ce forum pour savoir quelle était la préoccupation première quand on posait la question. Quand on vous parle de commissariat aux comptes dans les PME, quelle est votre préoccupation première en tant que professionnel? Alors, M. Lars me dira, on ne parle pas du client, il est vrai, mais c'est vrai que c'est aussi nos préoccupations. Alors, la première préoccupation concerne l'exercice professionnel au quotidien, à savoir la question du formalisme très important que nous avons à respecter pour remplir nos dossiers, pour respecter les normes d'exercice professionnel. C'est quelque chose qui est revenu très fréquemment en disant que c'est extrêmement lourd, extrêmement contraignant. Et ceci doit être mis en relation de suite avec une conséquence directe, à savoir la perte de rentabilité très importante, voire la non-rentabilité des missions dans les PME actuellement, compte tenu de ce formalisme très important. La deuxième question qui revenait la plus fréquemment est concernée quel avenir du commissaire aux comptes dans les PME. Avons-nous un risque de voir disparaître la mission d'audit légal dans les PME? C'est une question qui revenait très fréquemment, qui revenait même plus fréquemment que la première. Et donc on va aborder cette question, notamment en abordant également avec Jean-Luc les questions de seuil. Enfin, la troisième question qui revenait et qui est liée à cette question de quel avenir pour le commissariat aux comptes dans les PME, c'est la préoccupation que vous aviez et que certains, dont certains m'ont fait part en me disant nous avons l'impression que nos intérêts ne sont pas bien défendus, notamment au niveau de la compagnie nationale. Voilà donc les trois questions essentielles. Il y en avait quelques autres, mais c'est les trois questions essentielles qui revenaient régulièrement. Voilà donc pour ce bref retour sur les questions que j'avais posées aux gens qui arrivaient. Jean-Luc Flabeau, tant qu'on est un petit peu dans des généralités, c'est quoi aujourd'hui le CAC PME en France? Comment est-ce qu'on peut le définir? Le CAC PME en France, bien sûr, il est extrêmement important, puisque pour schématiser sur un chiffre d'affaires de l'audit légal en France qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros, on peut diviser ce chiffre en deux, c'est-à-dire il y a deux parts à peu près identiques. Un gros milliard pour les grandes entreprises, les très grandes entreprises, et puis un autre milliard pour les PME. Donc vous voyez, le sujet est très important, le sujet économique. Ensuite, le nombre de mandats, il est très 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 important, à peu près 220 000 mandats en France de commissariat aux comptes, dont 85% sont des PME de moins de 50 personnes. Mais dont 50% sont des PME de moins de 10 personnes. Mais c'est le reflet de notre tissu économique français, parce qu'on sait qu'en France, on a énormément de petites et moyennes entreprises, ce qui est un peu différent de l'Allemagne. Baudot aurait pu nous en parler tout à l'heure. C'est un tissu économique un peu différent. Donc on a un audit légal dans les PME qui est au reflet de notre pays, mais voilà, quand simplement donner ces quelques chiffres que vous connaissez de toute façon, c'est-à-dire une très grosse majorité de mandats, 85% sont des mandats PME, et dans ces mandats PME, il y a 50% qui sont des entreprises de moins de 10 personnes. Donc on parle, donc le sujet est important, et puis il y a un milliard de chiffres d'affaires, voilà. Donc ça veut dire, derrière, bien évidemment, c'est aussi derrière, c'est du travail, mais c'est aussi des emplois dans nos cabinets, etc., bien évidemment. Alors, il y a effectivement une modification peut-être importante, parce qu'on peut passer la slide sur les nouveaux seuils, les seuils de la nouvelle donc, directive comptable.
Voilà. Alors les seuils, c'est pas, je vais essayer de vous les, c'est pas simple, parce qu'en fait, une directive européenne en cache une autre. C'est-à-dire que on nous a donné dans le projet de nouvelle directive audit un mode opératoire sur le sujet, mais les seuils en question, on va les retrouver sur la directive comptable, la nouvelle directive comptable. Alors sur qu'est-ce que nous dit la directive audit, ce qui nous avait quand même rassuré lorsqu'on avait vu le projet en novembre 2012. Donc sur le sujet du commissaire en compte de l'AFM, parce qu'il y avait aussi à l'époque une inquiétude aussi sur ce point-là. C'est-à-dire pour les... Après j'ai chiffré les seuils. Donc pour les petites sociétés, les États membres peuvent exonérer ces entreprises de l'audit légal. Et pour les PME, la Commission européenne demande à ce qu'il y ait un audit proportionné. Donc déjà cette notion d'audit proportionné nous allait bien, parce que enfin, on sort un peu de ces ornières qui nous ont fait souffrir. On a toujours entendu un audit est un audit. Au moins, on répété, Jean-Luc, tu rappelais les 10 ans du forum, les 10 ans de réflexion, etc. On rappelait inlassablement un audit est un audit, ce n'est pas possible. On a souvent pas été écouté. Mais finalement, c'est l'option que prend l'Europe. Donc on n'était pas si à côté de la plaque que ça, avant beaucoup de gens. Donc ça, c'est audit proportionné, principe de l'audit proportionné pour les PME, et principe éventuellement d'une exemption de l'audit légal pour les petites entreprises. Alors après, ça c'est l'audit, la directive audit. Donc qu'est-ce que dit la directive comptable? Qu'est-ce qu'elle amène comme précision sur les chiffres, c'est-à-dire jusqu'à, vous savez, c'est toujours deux des trois seuils, hein, chiffre d'affaires, total bilan, nombre de salariés, jusqu'à 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan, 50 salariés, vous êtes dans, en deçà de deux de ces trois seuils-là, vous êtes considéré comme une petite entreprise européenne. Donc, possibilité pour les États membres d'exonérer ces entreprises de l'audit légal. Toujours dans cette directive comptable, est considérée comme une moyenne entreprise, les entreprises qui ont deux des trois seuils, c'est-à-dire 40 millions de chiffre d'affaires, 20 millions total bilan et 250 salariés. Et c'est ça les nouveaux seuils appliqués. Donc, ça veut dire que jusqu'à... C'est là où on peut avoir... non pas de l'inquiétude, mais encore une fois, des sujets de préoccupation et d'être très très vigilant, c'est là que, au niveau européen, mais ce sera le choix des États membres, au niveau européen, il peut y avoir des exemptions de contrôle légal dans les petites entreprises jusqu'à un total de 8 millions de chiffre d'affaires, et il devrait y avoir un audit proportionné dans des entreprises jusqu'à 40 millions de chiffres, dans des entreprises moyennes jusqu'à 40 millions de chiffres d'affaires. Donc voilà. Et puis simplement pour finir sur les seuils, parce que c'est compliqué, donc autant passer un mauvais moment tout de suite, il y a aussi nos seuils à nous. Nos seuils à nous, c'est-à-dire qui sont un peu déconnectés, mais ce sont nos seuils. Et on a deux seuils. Peut-être un seul, on l'espère, on le souhaite pas, mais voilà, il y a deux seuils actuellement. C'est le seuil des SAS. Depuis la loi LME, c'est-à-dire il n'y a plus l'obligation d'avoir de commission en compte jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de total bilan. Et puis le seuil, Yves l'évoquait aussi tout à l'heure, qui est très ancien celui-ci, le seuil des SARL avec ses 3 millions 100 de chiffre d'affaires, 1 million 55 000 euros de total bilan. Et c'est ces deux seuils que le choc de simplification avait éventuellement évoqué d'en faire qu'un. Alors c'est même plus troublant que ça, parce qu'on a plein d'autres seuils qui viennent alimenter les débats et qui perdent complètement nos élus. On a des seuils pour les fondations qui ne sont pas les mêmes que pour les JE, qui ne sont pas les mêmes que les associations, qui sont encore différents si on a... etc.
Donc tout ça, ça fait que, et on l'a vu pour le CE, mais ils ont encore inventé un nouveau seuil, alors qu'il y avait déjà pléthore de seuils sur lesquels on pouvait s'accrocher. Donc c'est très compliqué. Cette question des seuils va se compliquer encore plus. Il suffit de regarder l'ordonnance de simplification qui vient d'être publiée le 30 janvier, qui fait référence à des futurs décrets devant fixer des seuils pour la simplification. Et on peut se poser la question, mais que va-t-il se passer et comment seront fixés ces seuils et que pourrait-il se passer si nous avions des seuils de la directive comptable ou des seuils de directive d'audit qui viendraient à être différents. Alors, il est quand même effectivement important de bien dire que c'est une possibilité de rehausser les seuils, et que ce n'est évidemment pas une obligation, et que donc il y a un travail important effectivement à faire au niveau donc d'information, au niveau du législateur, Jean-François Malène. Oui, moi je voulais juste ces questions de seuils sur lesquelles on est dans la profession, on est cristallisé, parce que c'est normal, c'est comme ça qu'on va décrire notre intervention ou pas. Mais si on se met du point de vue d'un élu qui, lui, va décider des lois... Ça tombe bien. Voilà. Ben, je vais essayer de parler autrement et vous me corrigerez. C'est complètement illisible parce qu'en fait, l'intérêt d'un élu, à mes yeux, c'est d'arriver à apporter le meilleur service à notre pays. Et lorsque on imagine qu'en remontant les seuils, on fait économiser des milliers d'euros à des entreprises, c'est très tentant de dire « oui, il faut y aller ». Et nous, notre tort, et je rejoins ce que tu disais, Yves, et je suis très heureux d'avoir entendu ton discours sur le sujet, c'est de ne pas avoir assez communiqué sur l'intérêt pour le pays, pour l'économie, pour la sécurité de l'économie de notre pays, de nos missions. Et on a un exemple des Anglais qui ont remonté les seuils dans les années 2002-2003, je ne sais plus précisément la date, qui, 2 ans plus tard, ont vu la base fiscale diminuer énormément. Parce qu'il n'y avait plus de surveillance par des professionnels extérieurs. Donc le problème du seuil, si on le remonte, ça peut peut-être coûter plus cher au pays à la fin, mais c'est très difficile d'expliquer au public qui sont les électeurs de nos élus qui, eux, font en sorte d'améliorer la vie économique du pays. Donc j'imagine que c'est très compliqué, mais vous allez certainement pouvoir nous donner plus d'explications. Pour apporter peut-être une... Oui, justement, je profite et après... européen. Oui, au niveau européen, pour compléter, tu parlais à juste titre de l'exemple anglais, où ils ont perdu un peu de taxes au passage, mais il semble que nos amis d'outre-Manche aient la mémoire un peu courte, parce qu'ils s'apprêtent, le gouvernement a fait une consultation, ils s'apprêtent ils réfléchissent fortement à monter les seuils de 8 millions de chiffre d'affaires à 12 millions de chiffre d'affaires. Parce que le 12 millions, ce sera encore un autre seuil, une tranche maximale des seuils des petites entreprises. Voilà. Donc, et l'exemple anglais est intéressant à analyser. Parce qu'en fait, ils sont partis de 1 million de livres au départ du seuil, et puis il y a eu assez vite, sur l'espace de 10 ou 15 ans, une évolution de remontée des seuils. Donc voilà, c'est pas... Alors, je m'en sers pas comme... on doit pas s'en servir comme une inquiétude. Yves, tu disais sur le sujet, il faut pas inquiéter les confrères, et là-dessus, on te rejoint complètement. Et le pire, c'est les confrères, en effet, qui disent, on sert à rien, etc. Là, on est complètement d'accord. Simplement, il y a cette vigilance à avoir sur le danger, quand même, de remonter des seuils. Et quand tout à l'heure on parlait de l'impact de la réforme européenne sur notre activité professionnelle, y compris sur nos petits mandats, on le voit bien avec la position du gouvernement qui nous dit on a cette mesure dans le choc de simplification, mais on attend l'issue des débats européens pour revenir sur le sujet. Donc il y a bien une connexion. Alors, monsieur le député, vous entendez depuis tard un certain nombre de choses. Vous avez noté frénétiquement un certain nombre de points pendant les interventions. Quelle est votre vision là-dessus sur les seuils aujourd'hui? J'imagine que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup la commission des finances. On a vu le choc de simplification avec un de vos collègues, d'ailleurs Thierry Mandon, qui me semble a créé d'ailleurs ce groupe avec vous en Entreprendre à Gauche. Comment est-ce que vous voyez la chose aujourd'hui? D'abord, merci de votre invitation. J'ai plaisir à retrouver un certain nombre d'acteurs qui avaient participé à la commission que j'animais sur
l'entrepreneuriat individuel. Et en fait, alors sur la question des seuils, vous savez, dans tous les domaines, on a créé au fur et à mesure du temps des seuils, des statuts, des régimes qui sont accumulés jusqu'à aboutir à la complexification et donc même à la confrontation parfois. Hein, puisque quand il y a trop de seuils, il y a celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous. Et celui qui est au-dessus se demande pourquoi il n'a pas les mêmes droits que celui qui est en dessous. Donc et ça, on retrouve ça dans tous les domaines. Et vous savez, la politique des seuils, à un moment donné, ça devient le seuil des politiques à partir desquels on entre dans l'ère de la glaciation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne s'y retrouve plus. Et il y a un manque de visibilité pour tous les acteurs qui, par différents stratagèmes, essayent aussi d'échapper à ces seuils. Et, mais il faut faire attention aussi à une chose, c'est que ce n'est pas en augmentant les seuils qu'on simplifie forcément les choses. Pourquoi ? Parce que je pense que notre problème, c'est aussi de mieux accompagner les entrepreneurs. Vous savez, quand on a vu le débat sur les seuils, par exemple, sur les auto-entrepreneurs, fallait-il baisser ou pas les seuils ? Est-ce que ça a réglé définitivement le problème ? Non. Parce que le vrai problème, c'est l'accompagnement, en fait, des entrepreneurs individuels. C'est l'accompagnement aussi, bien évidemment, des TPE, des PME, des ETI. Si on veut être dans un parcours de croissance, il faut bien commencer par quelque part. Et je crois qu'il faut cet accompagnement, il faut des audits, mais évidemment, l'audit légal, et puis tout ce qui va concourir à conseiller, justement, tout simplement, celui ou celle qui va mener ce projet. Et aujourd'hui, on inverse toujours les choses, parce qu'en fait, on fait des lois pour répondre à 2 ou 3% de la population, donc on rajoute par amendement différentes dispositions, jusqu'à ce qu'elles deviennent incompréhensibles, et parfois inapplicables, puisque les décrets ne sont pas forcément publiés. Et on aboutit à des situations justement où on répond par la loi à 2 ou à 3% de la population. Moi je dis faisons confiance a priori aux entrepreneurs, donc en fin de compte simplifions leur avis, mais en même temps renforçons les contrôles et l'accompagnement. C'est-à-dire que ça va de pair, si on veut faire confiance a priori, si on dit aux entrepreneurs écoutez on vous fait confiance et donc on élimine un certain nombre de rigidités, et bien à partir de là, il faut aussi que l'on renforce justement les audits. Ça va de pair. Et donc pour moi, en fait, la simplification, elle doit s'accompagner aussi d'un renforcement, au contraire, du rôle notamment des commissaires aux comptes. Pour moi, c'est tout à fait compatible. Et le lien, il est évident. Comme d'ailleurs le travail des experts comptables. Parce que si l'on simplifie d'un côté et que dans le même temps, on n'accompagne pas et que l'on ne permet pas aux entrepreneurs de voir justement devant, eh bien, alors, en fin de compte, ça sera un faux choc de simplification. La simplification, ça ne signifie pas plus de règles. Ça veut dire sans doute moins de rigidité, en même temps, plus justement d'accompagnement, d'audit. Et donc, c'est, on va dire, le donnant-donnant. Voilà. Moins de règles, plus de simplification, en même temps, sans doute, plus de vérification aussi. Et je crois que c'est peut-être un modèle de. On parle de flex-sécurité pour les salariés. Mais ça vaut aussi pour les entrepreneurs. Voilà, on vous ennuie moins, en même temps, il faut aussi de la sécurité. Ça va ensemble. Et je crois que c'est la voie qu'il faut défendre. Après, pour le rôle des commissaires aux comptes, je pense que la compréhension qu'ont aujourd'hui les parlementaires de l'entreprise s'est nettement améliorée. En même temps, c'est peut-être l'écosystème entrepreneurial qui est moins connu, sans doute, des parlementaires. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup sans doute de pédagogie aussi à faire. Je crois que c'est là qu'il faut aujourd'hui agir, parce que les parlementaires que nous sommes, avant des parlementaires, nous avons été élus locaux. Donc forcément, on travaille avec les TPE, avec les PME, dans nos territoires. Mais en même temps, il y a tout cet écosystème qui est sans doute pas suffisamment, je crois, connu par les parlementaires. Il y a tout un travail à faire d'explication auprès des uns et des autres, dans vos départements d'ailleurs, dans vos départements, dans vos régions. N'hésitez pas, comme moi je l'ai fait encore récemment, à voir les représentants, vos représentants, pour aussi leur faire part des difficultés que vous rencontrez, et en même temps, expliquer aussi votre travail. Et je crois que ça, c'est important. Moi-même, quand j'étais adjoint à la vie associative, forcément, je travaillais avec les commissaires aux comptes sur différents sujets. Et heureusement qu'ils étaient là pour apporter aussi, en même temps, des conseils, et puis faire part de la situation et donner une photographie, à un moment donné, de la situation de telle ou telle association, qui, pour certaines, porte 800 à 1000 emplois, dans de nombreux départements de notre pays. Donc votre rôle est essentiel, il faut le valoriser, et en même temps, je crois qu'il faut même le renforcer. Et ce n'est pas incompatible avec la question de la simplification.
Avant de vous laisser réagir, Jean-Luc Flavaux, sur le sujet, on a le plaisir d'accueillir donc Jean-François Roubaud, président de la CGPME, qui nous fait donc le plaisir d'être là ce matin. Vous aviez effectivement un impondérable personnel. Donc on salue votre présence. Alors, Jean-Luc Flavaux, peut-être une réaction à ce que vient de dire le député Grandguillaume. Je suis ravi de ce que j'entends du député Grandguillaume. Bon, simplement que un commissaire ne fait pas de conseils, mais ça, voilà. Mais à part ça, moi, je, en effet, on essaie. Non. Exactement, voilà, et on peut avoir des avis. Donc, en effet, et ça me paraît important, justement, et c'est tout l'intérêt de votre présence, parce que vous représentez le monde politique, comme Jean-François Roubaud va représenter le monde des entrepreneurs, mais c'est toute l'importance de... qu'on doit avoir au niveau du lobbying, au niveau de l'écoute notamment et des politiques et des entrepreneurs, parce que seul on n'y arrivera pas. Alors on va peut-être essayer de quitter un petit peu ce rehaussement des seuils et de partir sur le PAC-PE, et notamment avec vous Jean-François Malène, vous en avez été un petit peu à l'origine. Alors, le PAC-PE aujourd'hui, bien, pas bien, à modifier, à pilonner, on en fait quoi aujourd'hui? Comment ça se passe là-dessus? Alors, on va parler de la norme PE plutôt que le PAC-PE. Le PAC-PE a été créé sous la présidence de Vincent Bayot. Voilà, je cherchais son nom, merci. A été développé ensuite, effectivement, et c'est certainement un outil qui continue à vivre. La commission PE apporte des nouvelles réflexions. La norme PE, telle qu'elle existe, a un grand mérite, c'est celle d'exister. Je crois que la France, du coup, devient un peu exemplaire. Yves, je pars sous ton contrôle, réagis si je vais trop loin dans mes discussions. Mais la norme PE et le PAC-PE qui est attaché est regardé par certains pays autour de nous comme étant un exemple de réussite de l'adaptabilité de l'audit. Et que, ce faisant, la France devient, entre guillemets, un référent international de l'adaptabilité de l'audit. Eh bien, moi, je dis que si on a cette longueur d'avance vis-à-vis des autres pays, il faut la garder, il faut l'enrichir et il faut creuser un peu plus loin dans la norme PE. Il y a beaucoup de bonnes choses. La première chose qu'il faudrait arriver à faire basculer, c'est de se dire pourquoi on donne à nos professionnels l'obligation d'appliquer la norme PE que si certains seuils ne sont pas dépassés. Alors qu'on sait très bien que selon qu'il s'agit d'une activité de prestation ou d'une activité industrielle, on n'aura pas du tout, pour un même montant de chiffre d'affaires, la même organisation, la même complexité. Et que par conséquent, il serait préférable d'utiliser des critères qualitatifs qui sont déjà inscrits dans la norme PE, lorsqu'on regarde dans un paragraphe qui décrit les caractéristiques d'une PE, ben tous les critères sont là. Un environnement peu complexe, un dirigeant très impliqué, la présence d'un expert comptable, etc. Tout est là. Donc c'est le premier point d'évolution à mes yeux qui serait nécessaire. Deuxième point, aller plus loin dans l'explication de texte sur comment j'applique l'ensemble des normes à une PME. Et je vais vous donner un exemple assez concret sur la manière d'appréhender l'analyse du contrôle interne, qui est extrêmement bien détaillée dans la NEM 315 et qui est tout à fait applicable même dans une PME. Lorsque je suis dans un grand groupe, avec plusieurs divisions, avec beaucoup d'activités, je vais obligatoirement avoir besoin de décrire chacune des procédures pour les processus majeurs de ce groupe, qui se décrivent sur les entités économiques, et au sein de chaque entité économique, faire encore une fois une description des procédures pour les achats, pour les ventes, etc. Tout ça, si j'applique les normes, va m'obliger à faire ce qu'on appelle un test de cheminement pour m'assurer que la procédure qu'on m'a décrite, que j'ai lue, je l'ai bien compris et qu'elle est correctement appliquée. Et qu'à partir de là, je vais commencer à travailler sur mon analyse de risque inhérent. Vous avez compris que j'ai passé un long moment à faire de la rédaction dans mes dossiers, de la formalisation, de la compréhension pour arriver à finir par tester mes risques inhérents. Lorsque j'arrive dans une PME, tout ça, je dis, j'ai pas besoin d'y passer du temps. Parce que la compréhension de l'organisation de la PME, je la trouve dans une PME, je la trouve dans une autre, et la plupart du temps, c'est à peu près organisé de la même manière, et les petites spécificités sont très vite identifiées en discutant avec le dirigeant quelques minutes.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le dirigeant en disant, moi j'ai une batterie de risques inhérents. Je sais déjà qu'il y a des risques, qu'il y ait des anomalies dans vos comptes. Et on va travailler sur ces risques-là, et vous allez me dire quels sont les contrôles que vous avez mis en place. Ils ne sont pas formalisés, on le sait, c'est normal, mais ils existent. Et là, la norme, elle ne décrit pas du tout ça. Et du coup, nos confrères, nombre d'entre eux, et j'en discute assez souvent, puisque vous avez compris que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ils me disent, mais attends, on ne peut pas ne pas avoir une description de nos procédures, de l'entreprise, dans notre dossier. C'est écrit dans les normes. Mais c'est pas vrai, c'est pas écrit comme ça dans les normes. C'est la compréhension qu'on en a parce qu'on est parti du haut, de l'audit des très grosses structures, pour essayer d'adapter sur les petites. Eh bien, je souhaite que la norme PE nous donne l'explication de texte, et moi je suis prêt à participer au travail là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'idées, en disant, dans une PE, qui a les caractéristiques qui sont données dans la norme, voilà ce qu'il faut faire. Autre point d'amélioration dans cette norme, il y a des exemples de simplification. Et il est un peu malheureux cet exemple, puisqu'on nous dit, le fait d'intervenir tardivement permet par la demande de confirmation directe, de ne pas faire de demande de confirmation directe, puisqu'on a débouclé les cycles, et que par conséquent, on voit très bien si l'actif est réalisable. Oui, mais l'absence de confirmation directe va nous enlever la validation d'autres insertions. Et ça, ce n'est pas écrit dans la NEP. Donc, moi concrètement, je vois la NEP, je dis je l'applique, je ne fais plus de confirmation directe. Et on ne peut pas me reprocher parce que j'ai appliqué la norme. Donc là aussi, il faut faire évoluer ça. Il faut renforcer les directives, les exemples, les points sur lesquels on peut travailler quand on est dans une PME. Et en dernière chose, et ça a été dit et j'ai beaucoup apprécié, il y a une formation de comportement qu'on doit avoir en tant que commissaire aux comptes. Et on a toujours parlé de cette schizophrénie. Quand je suis expert comptable, j'ai une grande proximité avec mon dirigeant, je lui tape dans le dos, etc. Et le lendemain, je suis commissaire aux comptes et le même dirigeant à côté, je vais avoir énormément de distance et prendre beaucoup de recul parce que là, cette fois-ci, j'ai le statut du représentant de la loi. Et c'est très difficile pour nous de vivre ça. J'étais hier avec un chef d'entreprise où j'allais lui expliquer qu'il fallait qu'il modifie quelque chose dans ses comptes. Pour lui, c'est absolument pas important. Le sujet du moment pour lui, c'est qu'il avait un salarié qui avait créé un gros problème dans l'atelier, qu'il avait mis son salarié à pied, et que tout son casse-tête du jour, c'était de se dire comment je vais faire, tout en respectant toutes les obligations réglementaires, pour foutre ce gars dehors, qu'il arrête de rentrer dans l'atelier. Voilà. Donc vous imaginez la discussion qu'on a eue, moi avec mon problème comptable technique, dont il n'avait absolument pas du tout envie de discuter, et lui qui ne voulait pas perdre de temps avec mes petits problèmes, mais qui en même temps disait « mais pourquoi il m'emmerde avec ça ?» Voilà. Notre problème à nous, c'est ça, c'est au quotidien, dans les PME, et c'est normal, parce que les dirigeants, ils n'ont pas une culture financière, une culture de gestion très développée, ils sont pour la plupart issus d'une culture technique, avec un bon sens commercial et un bon sens tout court. Et que dans ce cas-là, notre culture à nous, des fois, qui est très financière, est un petit peu décalée. Là-dessus, il faut aussi qu'on travaille chez nous. Et là, il n'y a rien pour l'instant là-dessus, sinon un peu de NPE, qui était une première tentative très intéressante, et il faut aller plus loin. Voilà. Donc il y a plein de sujets, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là. Mais vraiment, ça fait des années qu'on milite là-dessus, et il faut le faire. Et il faut mettre à profit l'avance qu'on a sur les autres pays, sur l'adaptabilité de la PME, pour réécrire ça correctement. Alors on avait fait une tentative, je m'étais fait rejeter parce que j'étais un peu vert, enfin assez armé. On me disait, la norme n'est pas cassée, on ne la touche pas. Voilà, ça m'a douché, mais je suis prêt à retourner le combat. Alors, merci pour ce témoignage. Innovation. Alors maintenant, peut-être Jean-François Roubaud, on vous a vu vous aussi beaucoup écrire pendant cette intervention, hocher de la tête aussi à de nombreuses reprises. On connaît vos positions d'ailleurs sur le commissariat aux comptes dans les PME, qui ne sont pas toujours effectivement celles de la base. Voilà, votre réaction un petit peu sur ce qui est dit là-dessus. Non, je n'ai pas applaudi matériellement, mais je vous applaudis sur vos propos. Je crois que le souci de l'entreprise, c'est effectivement que ça soit quand même suffisamment simple et pas trop compliqué. Vous avez parlé de la norme. Ce que l'on cherche, nous, c'est qu'elle soit adaptée à la dimension de l'entreprise. Et c'est vrai, quand une PME de 20 salariés ou de 50 salariés, c'est pas la même chose qu'un groupe qui en a 5000. Où là, il y a vraiment besoin. Dans une PME, vous avez en général affaire à deux acteurs, le chef d'entreprise et son expert comptable. Bon, point barre. Donc vous avez assez rapidement, donc c'est pas la peine de faire des démarches extrêmement importantes. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Non, sur le fond du problème, la norme, vous la
connaissez mieux que moi, bien entendu. Mais je crois qu'à partir du moment où on arrive à la mettre à la dimension de l'entreprise, ça devient intelligent, si vous voulez. Parce que vous répondez à un vrai besoin de l'entreprise. Sur un plan général, vous savez très bien, je l'ai déjà dit dans plusieurs instances devant vous, mesdames et messieurs, c'est que le commissariat aux comptes, c'est quelque chose d'important pour nos entreprises, pour les chefs d'entreprise. C'est obligatoire pour une petite entreprise, SARL, je ne vais pas passer là-dessus, je vais passer là-dessus plutôt. Mais ce qui est important, c'est que vous amenez une vision extérieure par rapport à l'entreprise. Et le chef d'entreprise, vous le dites, il est dans son licenciement, il est dans son problème de tous les jours, il n'a pas forcément une vision très objective et réelle de l'entreprise. Et donc vous, ce que vous amenez, justement, vous êtes extérieur, vous n'êtes pas le comptable, et vous, alors, évidemment, vous ne donnez pas de, comme vous l'avez très bien dit, pas de conseils, mais de la pédagogie. Alors, on a besoin de pédagogie, voilà, merci. Et ça, vous pouvez nous l'apporter. Moi, je l'ai vécu dans toutes les entreprises. Vous avez apporté beaucoup de choses sur le problème de la mise en place de comptabilité analytique, pourquoi vous la faites comme ça. Et on découvre des merveilles de votre métier. Excusez-moi. Moi, j'étais aussi un ingénieur seulement, donc la comptabilité, à part. Mais donc, c'est là où il y a vraiment un rôle que vous avez. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire, si je peux parler des problèmes de contrôle des délais de paiement, ou choses comme ça. Parce que. Depuis maintenant la loi, normalement, vous devez contrôler les délais de paiement. Le souci que l'on a aujourd'hui, c'est que ces délais de paiement, chaque commissaire aux comptes les met un petit peu à sa sauce, etc. Il n'y a pas de normes là, cette fois-ci. Ce que je pense, ce serait quand même une bonne chose, c'est qu'il y ait un formulaire type pour que tous les commissaires aux comptes disent voilà comment on va faire pour vérifier les délais de paiement, fournisseurs, clients, etc. Il y a normalement une règle, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours facile à comprendre et elle est interprétée. Mais pour autant, il y a quand même une règle assez claire sur la manière dont on doit appréhender ça. La difficulté derrière, à chaque fois, c'est la pédagogie dont on veut faire preuve, qui nous amène à avoir un peu de retenue en se disant « Ok, il y a une situation économique compliquée, on ne va peut-être pas en rajouter en déclenchant un rapport, etc. » Donc on essaie de faire preuve de jugement, et ça nous est permis. Oui. Mais alors après, nous, on a besoin aussi de communication. On a aussi besoin de communication, parce que c'est souvent nos clients qui ne respectent pas leur délai de paiement. De mal. Vous êtes d'accord avec moi, madame, voilà. Donc vous allez nous conseiller, etc. C'est vraiment très important parce que nous, on voudrait savoir que l'entreprise Dupont, elle paye mal. Comme ça, on peut le dire et on peut dire à tous nos entrepreneurs, faites attention, ils payent vraiment mal. Collectivité locale, ça peut arriver aussi, monsieur le député. Bon, donc tout ça, ça nous intéresse, nous, quand même, chez l'entreprise. Voilà. Jean-Luc Flabeau, sur ce sujet. Alors, j'ai vu aussi, monsieur le député, que vous aviez pris quelques notes là-dessus. Ça c'est peut-être une nouvelle idée de normes ou de réglementation, peut-être, avant l'intervention de Jean-Luc Flabeau. Je prends des notes parce qu'il y a plein de bonnes idées. Donc, parce que venir à un débat, c'est bien pour participer, mais c'est bien d'en partir avec aussi des idées pour construire. Et sur le contrôle des délais de paiement, c'est un vrai sujet. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos TPE, de nos PME qui sont confrontés justement à cette problématique. Et ça leur pose bien sûr des problèmes de trésorerie. On sait que la trésorerie des entreprises est s'amenuisée avec la période qui vient de passer. Et encore aujourd'hui, c'est un problème récurrent dans nos petites entreprises. Et je pense que c'est un axe sur lequel il faudrait vraiment travailler pour aller vers l'effectivité aussi de la loi. Vous voyez, dans notre pays, en fait, on fait beaucoup de lois, mais on ne travaille pas sur l'effectivité. Donc peut-être faudrait en faire moins et vérifier qu'elle s'applique. Et pour cela, il faut des acteurs de terrain qui seront à même de le faire. Et je crois que c'est vraiment le rôle, à mon avis, que je vois et sur lequel il faut le développer. Alors, pédagogie, conseil, bien évidemment, on voit bien la différence, donc il faut faire beaucoup de pédagogie. Mais je crois que c'est vraiment important pour l'entrepreneur que d'avoir, aux côtés de lui, bien sûr, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, même dans une petite structure. Parce qu'en fait, on le voit bien, je veux dire, quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes souvent isolé face à vos difficultés. Quand on regarde le code du travail et son épaisseur, on en parle depuis longtemps, mais il s'épaissit de plus en plus. Et il est confronté effectivement à des problématiques concrètes de sa vie quotidienne, que ce soit vis-à-vis de sa relation avec les salariés, que ce soit avec les donneurs d'ordre, que ce soit sur les délais de paiement. Et ça, c'est le concret de l'entrepreneur de tous les jours. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aussi l'accompagner par la pédagogie pour les uns, par le conseil pour les autres. Alors, on va essayer de quitter un petit peu ce sujet, d'entrer dans un sujet qui là est un peu plus polémique, entre guillemets, hein, puisqu'on va parler notamment d'un cas italien qui est le cas de l'audit contractuel, Jean-Luc Flabeau. Est-ce que finalement c'est pas une bonne alternative en France sur en dessous de certains seuils? Comment est-ce que vous voyez cet audit
contractuel tel qu'il est pratiqué dans d'autres pays. Bah sur l'unité contractuelle, bah, pareil, Juliette, Jean-Luc, on complétera, mais sur. On ne croit pas à la voie de l'audit contractuel chez ESF, parce que ça, c'est. Voilà, ce sont des modes de pensée. Alors déjà il faut. Moi, je suis très content de la composition de la table ronde, parce que. Le meilleur moyen de préserver l'audit dans les PME, c'est la discussion entre les responsables professionnels, le monde des entreprises, le monde politique que vous représentez. Donc c'est que comme ça qu'on va avancer. Et puis aussi, ce qu'il faut faire très très attention, et ça je m'adresse solennellement à vous tous, c'est arrêtons de dire qu'on ne sert à rien. Qu'on n'a pas d'utilité en tant qu'auditeur légal, en tant que commissaire dans les PME. On se fait un mal fou. Ça, il faut vraiment, je pense qu'il faut marteler ce message. Il faut arrêter d'être aussi pessimiste et d'être aussi minimaliste sur notre fonction, parce qu'on sait bien que notre fonction, elle est importante. Alors, après, il peut y avoir différentes voies. On doit préserver l'audit légal dans les PME, mais ça ne nous empêche pas justement de voir qu'est-ce qui peut arriver, quels sont aussi les autres moyens. Mais on ne croit pas justement à cet audit contractuel, parce que ça va être. Alors déjà, qui est-ce qui va le faire? L'audit contractuel, c'est qui? C'est l'expert comptable ou c'est le commissaire comptable? Déjà, il faudra répondre à cette question-là. Si c'est l'expert comptable, on parlait tout à l'heure des problématiques sur la première table ronde, des problématiques. De mélange des genres, de genre éventuel entre l'audit et le conseil, et ben si c'est l'expert comptable, on va avoir un problème aussi de mélange des genres. Et puis si c'est le commissaire aux comptes, l'audit contractuel, quelle va être sa portée? Là, je m'adresse aux représentants des chefs d'entreprise. Quelle va être sa portée? Il sera donc... optionnel, il sera choisi par le chef d'entreprise, par les banquiers. Ça va être assez difficile, d'autant plus qu'en France, on a quand même, contrairement à certains autres pays, une mission d'audit légal, qui est une mission bien sûr pour les besoins de l'entreprise, mais qui a aussi une dimension d'utilité publique. Donc il faut, voilà, simplement, Jean-Luc, je te laisse compléter, mais juste. Par rapport à ce que tu viens de dire, je vais compléter une chose, c'est que si on dit que l'audit contractuel va être réservé à un commissaire au compte inscrit, alors on dit que c'est une référence qu'on va chercher, et à ce moment-là, il y a fort à parier que certains cabinets qui ont une notoriété plus forte que d'autres seront choisis de préférence. Et ça va effacer la grande majorité de nos cabinets du marché de l'audit contractuel. Donc c'est une raison de plus pour laquelle on milite en faveur que ça ne se soit pas une voie à choisir. Oui, et puis il y a un autre aspect, c'est dans le cadre de notre mission d'audit légal, nous avons aussi cette obligation d'alerte. Alors qu'en tant qu'expert comptable, on a plus l'obligation d'alerte vis-à-vis du chef d'entreprise de lui-même, mais qui ne va pas au-delà et qui ne devient pas public. Et on a le secret professionnel, exactement. Hein, donc moi, je vois quand même une cohabitation indispensable dans les PME entre l'expert comptable, qui est vraiment le conseiller du chef d'entreprise, en tant que chef d'entreprise entrepreneur. Et le chef d'entreprise entrepreneur, c'est celui qui prend aussi des risques. Et puis le commissaire aux comptes, qui est le professionnel qui amène de la sécurité, qui doit amener de la sécurité et qui a une action qui est totalement complémentaire par rapport à celle de l'expert comptable. Alors, Julien Benoît, peut-être une réaction avant de laisser la parole au président Roubaud, que je vois. Je vais prendre la parole parce qu'effectivement, on est à la fois tous les uns et les autres, enfin beaucoup d'entre nous, et expert comptable et commissaire aux comptes. Malgré tout, on a deux rôles différents et quand je parle de pédagogie, c'est vrai, je suis responsable de la formation à ESF, donc on ne se refait pas. Hein. Je pense que la pédagogie est importante entre nous, elle est importante aussi avec nos clients. Et le rôle de l'expert comptable et le rôle du commissaire aux comptes sont vraiment différents. Et même si on a chacun l'une et l'autre casquette, quand on est commissaire aux comptes, on a un poids
que ne pas avoir l'expert comptable, hein, parce qu'on sait bien quand on est en face d'une entreprise qui est défaillante financièrement ou pour laquelle il y a des gros risques de défaillance financière, en tant qu'expert comptable, on pourra toujours dire là où vous êtes en limite en cessation de paiement, où vous allez y être, où il faudrait faire quelque chose. Après, on n'a que notre force de persuasion qui peut se heurter à la volonté du dirigeant, alors que quand on est commissaire aux comptes, là on a l'alerte et la phase zéro de l'alerte qui permet d'agir avec pédagogie et fermeté. La fermeté peut exister en tant qu'expert comptable, mais elle est beaucoup plus limitée qu'en tant que commissaire aux comptes. Et puis je profite que j'ai le micro pour revenir sur ce que disait Jean-François et dire oui, il faut une norme et il faut aussi un département PE, parce que il y a des problèmes spécifiques au PE, comme il y a des départements spécifiques pour les plus hautes entreprises et questions spécifiques, départements spécifiques. On va reparler effectivement de ce département PME, juste si on peut laisser la parole, parce qu'effectivement, comme on dit, c'est dans le débat et dans la discussion avec le monde politique et le monde des entreprises, donc peut-être président Roubaud, puis après les petits grands. Juste rajouter, j'ai entendu parler de cohabitation. Alors, moi, j'avais dans mes entreprises des experts comptables qui appartenaient à l'entreprise. Et donc, la cohabitation, elle était évidente. Et pour moi, chef d'entreprise, le passage du commissaire au compte, c'était quelque chose qui me rassurait, qui me confortait dans ce que les chiffres de l'expert comptable m'apportaient ou dans ses jugements. Et ça me paraît extrêmement évident qu'on a besoin de l'un et l'autre. Alors, dans les plus petites entreprises, sans doute, quand l'expert comptable est extérieur, le chef d'entreprise a aussi besoin de savoir que ce que lui dit l'expert comptable est un peu la vérité. Et puis la deuxième chose, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, pardon, quand il certifie les comptes, quand il amène tout ça, ça nous donne une sécurité. Et puis un dialogue avec nos partenaires, fournisseurs, y compris les banquiers, quand vous avez des comptes certifiés, c'est quand même beaucoup plus important que si vous n'avez pas de comptes certifiés. Donc tout ce rôle, si vous voulez, qui est apporté par le commissariat aux comptes est tout à fait complémentaire. Et moi, j'ai jamais eu de problème de bagarre entre le commissaire aux comptes et l'expert comptable, ou les experts comptables et le commissaire aux comptes. Je crois que c'est complémentaire. Et alors sur cet audit contractuel, votre vision sur CGPME ? Écoutez, sur moi, l'audit contractuel, franchement, quand j'ai besoin, j'appelle le commissaire aux comptes. Hein, venez voir. Alors c'est peut-être ça qu'on appelle un audit contractuel, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment ça marche chez moi. Est-ce que je suis sûr, par exemple, de la valorisation des stocks, de mes encours? Est-ce que ce que me donne le comptable, c'est vrai? Parce que j'avais des métiers où les encours étaient très importants dans les résultats de l'entreprise. Donc c'est ça, j'avais besoin d'être sécurisé là-dessus. Donc j'appelais systématiquement, même dans des entreprises qui, par exemple, avaient que 20 ou 30 salariés ou étaient des SARL qui n'avaient pas besoin à ce niveau-là. Je voudrais ajouter des commentaires sur la complémentarité des missions, qui est effectivement quelque chose qui est désormais bien intégré dans la démarche d'audit. On a là aussi besoin d'être un peu éduqué dans la profession, clarifier notre position sur la complémentarité des missions, c'est essentiel, ça apporte de la visibilité des deux professions au sein d'une même entreprise, et notamment auprès des dirigeants qui sont un petit peu parfois étonnés de voir qu'ils viennent de dépasser des seuils et qu'on leur dit bah, tu vas avoir l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Et là, ils se disent l'obligation, alors ça veut dire que c'est quelque chose de contraignant, ça va être pénible. Et la première question qu'ils posent à l'expert comptable, il va faire quoi le commissaire aux comptes par rapport à ce que tu me fais? D'accord. Et là, le confrère expert comptable souvent est un peu mal à l'aise, parce que soit il lui dit bah, moi je fais pas tout. Donc, bien sûr, il faut un commissaire aux comptes qui va faire le reste. Ah bon, bah alors pourquoi tu fais pas tout, etc. Enfin, le discours est difficile. Donc ça veut dire que les institutions ont besoin de clarifier ça. Il faut que ce soit tranchant, visible, clair. Il y a eu un premier travail qui a été fait lors des assises avec la distribution d'un petit document et j'étais ravi de voir ça. Il faut véritablement que ce soit annexé à toutes nos lettres de mission, qu'on soit expert comptable ou commissaire aux comptes, pour qu'on communique beaucoup plus facilement, pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise et pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et c'est un confort pour les professionnels et c'est une véritable valeur ajoutée qu'on va donner aux chefs de PME qui, eux, sont un petit peu troublés en disant « mais commissaire aux comptes, alors ça veut dire qu'il va aller voir le procureur, enfin, etc. » Le discours, on connaît, on les rassure, mais pour autant, ils sont troublés, c'est un manque de communication, c'est normal. Alors, monsieur le député, une réaction un petit peu sur ce qu'il vient de se dire ? Seulement, enfin, moi,
ce que je pense, c'est qu'au-delà de la crise, on est en mutation, et la mutation dans l'économie, elle aboutit aussi à une évolution dans la prise de risque. C'est-à-dire que l'entrepreneur, forcément, par nature, il prend des risques. Mais en fait, aujourd'hui, on va compartimenter les risques, en fin de compte, par différentes structures, que ce soit dans les entreprises ou dans le secteur non lucratif privé. On le voit avec les questions de filialisation dans les associations, avec différentes structures qui sont créées pour gérer telle ou telle activité, mais on le voit aussi dans les entreprises où il va y avoir différentes structures qui vont être créées pour gérer telle ou telle activité. Et avec cet émiettement, on va dire, mais qui n'est pas forcément mauvais, au contraire, il peut aboutir à créer aussi des dynamiques, on voit bien qu'il y a un partage des risques et qu'il est sans doute plus difficile à analyser. Et que ce n'est donc pas parce qu'il y a des petites structures que forcément on doit en oublier cet aspect justement à la fois d'audit légal, hein, parce que à force de vouloir justement émietter les choses, on peut aboutir justement à des effets qui soient peut-être plus importants parce qu'ils vont aboutir à des risques en cascade. Voilà. Et je l'ai vu avec certaines grandes fédérations. J'avais auditionné la Croix-Rouge pour le secteur non lucratif privé avec la question qui se posait de savoir s'ils devaient filialiser ou au contraire créer d'autres structures, etc. Et je vois de plus en plus, dans tous les acteurs que je rencontre, cette problématique elle est de plus en plus forte. Et donc, d'où l'importance que même pour les petites structures, il y ait ce rôle qui soit renforcé. Et comme je vous le dis, ces audits ne correspondent pas forcément pour moi à une complexification parce que pour donner plus de confiance et plus d'intensité, en même temps, il faut aussi accompagner par le conseil et la pédagogie. Encore une fois, ces tables rondes sont trop courtes. Peut-être avant qu'on vous passe la parole, Jean-Luc Mort et Jean-François Mancel, Monsieur le Président, vous aviez peut-être quelques mots aussi à nous dire, je sais pas, en introduction sur la table ronde, quelque chose de... J'ai raté l'introduction. Donc, j'aurais bien aimé parler un petit peu du pacte de responsabilité qui est en train de se passer entre les entreprises et l'État aujourd'hui. Simplement pour dire que nous, on l'a souligné de manière très positive. On a enfin une stratégie de l'offre qu'on attendait depuis très longtemps. On est prêt à se lancer dedans, mais qu'effectivement, on a tous un rôle, y compris les experts comptables et tout ça, et les commissaires aux comptes dans ce travail-là. Mais il faut vraiment qu'on ait des mesures, j'allais dire, pragmatiques, qui soit mise en place d'urgence pour que ça fonctionne. Alors, je pense que là aussi, vous qui vivez le contrôle des entreprises et tout ça, vous devez savoir qu'il y a des mesures qui sont impératives à prendre. Et nous, on a besoin de vous pour que vous nous souteniez dans les négociations qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on me demande est-ce que vous vous engagez sur un nombre de milliers d'emplois parce qu'on va baisser les charges, etc., je ne sais pas faire, mais si vous avez une méthode mathématique, je prends, j'achète tout de suite. Oui, il nous faut une norme. Vous m'attendez. Je pense qu'il faut aussi savoir faire confiance aux gens qui ont besoin de développer leur entreprise et de préserver leurs salariés. Il y a un article dans les Échos aujourd'hui qui est assez étonnant, qui évoque la difficulté des PME à recruter. Et c'est un paradoxe de notre pays, que moi je vis parce que je suis dans une petite ville de 50 000 habitants, pour faire venir des comptables de haut niveau, c'est l'enfer. Alors je me dis qu'une entreprise de Bourg qui veut recruter un directeur financier, ça va être terrible. Alors, écoutez, on sait bien, je viens d'ouvrir, passer un accord avec Facebook, avec la CGPME, puisque nous avons 250 000 offres d'emploi qui sont non pourvues sur ce sujet-là. Bon, ça fait quand même pas mal de monde. Alors là, on vient de faire avec Facebook, écoutez, en 8 jours, ça fait 6 jours aujourd'hui, on en est à peu près 10 000 offres d'emploi qui sont visités, 26 000, on a 26 000 suites déjà tous les jours. Donc c'est un excellent. On essaie de mettre en fait en rapport l'offre et la demande, c'est clair. C'est le vrai problème parce qu'il y a un vrai souci pour les emplois les plus... J'arrêterai là parce que je peux en parler une heure. C'est les emplois qui sont peu qualifiés ou non qualifiés, c'est que la personne n'ose même pas aller chez Pôle emploi. Il n'ose même pas parce qu'il ne sait pas écrire. Il n'ose même pas parce qu'il ne parle pas bien. Donc sur Facebook, il va trouver quelqu'un, soit de sa famille, son fils qui lui sait écrire ou sait se servir d'ordinateur, ou un copain qui va pouvoir dire, bah, répond à la demande, là, il n'aura pas honte d'y aller. Et ça peut peut-être générer des emplois d'emploi. Alors là où je voulais en venir, c'est qu'un chef d'entreprise qui a des salariés qui sont qualifiés, qu'il a formés, qu'il a accompagnés, il va tout faire pour les préserver. Et donc le problème du chômage, c'est pas un problème, c'est pas grave, le chômage en soi. Ce qu'il faut, c'est faire confiance aux entreprises, leur donner les moyens de reconstruire leur marge, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge, et c'est une catastrophe, et leur donner les moyens de faire des investissements et de recruter. Donc
j'espère qu'on va aller dans ce sens-là et que ce mouvement d'ouverture et de confiance va permettre d'aborder ça. On n'a pas l'heure en question, effectivement, pour en parler, même si effectivement le sujet est intéressant. Laurent Grandguillaume, vous vouliez réagir. Facebook, c'est peut-être la solution en fait, du chômage en France. Je ne pense pas, ça serait bien, mais je ne pense pas que ce soit la seule solution. Par contre, le pacte de responsabilité, oui, il peut apporter des solutions. Il doit se construire par le dialogue social, et dans notre pays, il faudrait justement qu'on avance encore plus pour renforcer notre démocratie sociale. C'était le cas avec la réforme des retraites, avec l'ANI, même si bon, il y a pu y avoir des critiques. Mais en même temps, il faut qu'on change aussi notre culture au niveau national, et que l'on arrête de faire des grands discours macroéconomiques et de considérer que l'économie, c'est que les entreprises du CAC 40. Elles sont essentielles à notre économie, bien évidemment. Mais en ce moment, ces jours-ci, on a un débat, par exemple, sur la loi formation professionnelle, un beau texte, mais dans ce texte, par exemple, il y a la question des accords d'entreprise. Or, qui va bénéficier des moins 0,2% sur les cotisations de formation professionnelle? Ceux qui passeront des accords d'entreprise, donc plutôt les grandes. Et donc, on voit bien, alors j'espère qu'on arrivera à faire évoluer ce texte par le débat parlementaire, mais on voit bien qu'on a encore, dans notre culture franco-française, une image un peu peut-être déformée de la réalité des entreprises dans les territoires. Parce qu'en fait, les entreprises, elles ne sont pas hors sol. Elles sont dans les territoires, elles sont dans nos départements. Et le tissu d'entreprise, ce sont essentiellement des TPE, des PME et des ETI. Et je crois que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et j'espère qu'on arrivera, par exemple, à peut-être améliorer cette loi, parce que ça va dans le bon sens. Et le pacte de responsabilité, c'est pareil. Je crois qu'il doit aller en priorité, justement, vers les entreprises qui sont en capacité de pouvoir créer des emplois par l'amélioration de leur taux de marge. Ça, c'est vrai. Ça va de pair. La marge des entreprises françaises, elle a largement diminué, contrairement aux entreprises allemandes, par exemple, qui ont amélioré leur taux de marge pour différentes raisons. Alors, je ne dis pas qu'il faut copier le modèle allemand, parce qu'il y a aussi des difficultés. Mais il y a là quelque chose à faire, et pour ça, il faut sortir, on va dire, des oppositions stériles, des débats polémiques, puis peut-être un peu plus d'unité nationale sur les grands sujets. Je pense qu'il faut sortir des ornières du passé et aller d'avant, et donc un peu plus d'unité nationale par rapport à l'entreprise, par rapport à l'emploi, et on arrivera à sortir des difficultés. Entreprendre à gauche, effectivement, hein. c'est effectivement assez dynamique comme propos, Jean-François Rouveau, et puis après on pourra peut-être... Non, simplement, on se parle assez souvent, donc on est parfaitement en phase là-dessus, c'est exactement le discours que je tiens moi devant mes instances. On va reconstituer d'abord les marges avant de créer de l'emploi. C'est évident, s'il y avait une formule alternative, on le saurait. On sait très bien que ça ne peut marcher qu'au bout d'un certain temps. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience qui est là. Ce qu'il faut, c'est, vous l'avez dit aussi, c'est faire confiance à l'entreprise. Les chefs d'entreprise, ce n'est pas des voyous. Alors, on en trouvera des voyous, mais comme dans le monde entier, partout, il y a des voyous. Mais l'essentiel, ce sont des chefs d'entreprise qui ont envie de faire marcher leur boutique, qui ont envie d'embaucher. Et puis dans les PME, il y a un côté connaissance de l'homme et de la femme qui travaillent avec vous. Quand vous avez 20 ou 50 personnes, vous les connaissez tous. Et vous connaissez tous leurs problèmes. Donc la seule chose qui vous hante, c'est d'être obligé un jour de les licencier. C'est pas des embauchés. Allez, on a maintenant 1 minute 34 de retard. Donc, 1 minute 34 de retard, peut-être Jean-Luc Maure ou Jean-François Malène, et puis un dernier mot de Jean-Luc Maure. Un petit mot aujourd'hui. Bien les temps pour finir ça. Je voudrais, non mais j'ai du mal à m'empêcher, deux choses à dire. La création d'un département PME me paraît essentielle. C'est pas question de trancher la compagnie en différentes sections. On a un département des marchés financiers qui a une force sur l'application de nos normes, sur l'évolution des réflexions pour d'autres professions vis-à-vis des sociétés cotées, des grosses structures. Il me semble que pour une plus grande clarté, pour dire qu'il y a une vraie adaptabilité, une commission PE n'a pas la même force qu'un département PME. Et me semble-t-il, ce seraient deux piliers sur lesquels la compagnie devrait s'appuyer, avec transversalement tous les autres services qui sont d'une très grande qualité, puisque je les côtoie depuis quelques années, et je vois la force de tous ces permanents qui travaillent à la compagnie, et je pense que c'est nécessaire. J'ai entendu ton discours, je voulais te donner mon point de vue, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusque-là. Merci Jean-François. Excuse-moi, je reprends la parole. En plus, le tissu économique français est spécifique. On a beaucoup de petites entreprises, beaucoup plus que dans beaucoup de nos pays voisins. Donc on a une spécificité, vous l'avez relevé, vous aussi. Il faut en tenir compte aussi dans nos instances.
Allez, la conclusion pour Jean-Luc Maure, et puis après on passera la parole au secrétaire général du HPC. Oui, alors j'étais vraiment ravi de participer à cette table ronde qui a été, à mon sens, fort intéressante. Et le premier point que je retiens de cette table ronde, c'est qu'il est vrai que le pacte de responsabilité, nous allons y participer, le Conseil supérieur va y participer au niveau de l'ordre, mais nous aussi en tant que syndicat, nous allons y participer, étant donné que nous avons pris contact avec l'ensemble du monde politique pour faire entendre notre voix, et nous soutiendrons cette initiative qui est une initiative majeure pour notre pays et pour la reprise économique dans notre pays. Je pense aussi que nous avons une table ronde qui était une table ronde extrêmement positive et qui doit nous permettre d'entrevoir le commissariat au compte dans les PME avec beaucoup plus d'optimisme, en essayant de démystifier notamment la question des seuils, parce que la pratique du commissariat au compte, ce n'est pas une question de seuil. Du moins, il ne faut peut-être pas l'avoir comme ça. Il faut être attentif à ces seuils et aux conséquences qui pourraient en être tirées de façon un petit peu abusive par certains qui ne comprendraient pas notre métier. Et donc, comme l'a rappelé Juliette, comme l'a rappelé Yves aussi, nous devons faire preuve de beaucoup de pédagogie de façon à bien faire comprendre à notre environnement le rôle du commissaire aux comptes dans les PME. Dans un tel contexte, je ne suis pas inquiet sur la poursuite de nos missions et sur le développement de nos activités dans ce domaine-là. Je ne reviendrai pas sur les autres demandes que nous avons. Je pense qu'Yves nous a entendus. On aura sûrement l'occasion d'en débattre, même si ça sera certainement encore un peu compliqué. Mais je ne me fais pas de soucis. Je suis sûr que sa porte sera ouverte pour me recevoir. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et puis Jean-Luc, je te repasse la parole pour la suite et la fin de cette matinée. Merci à tous et je crois qu'on peut les applaudir.